Bonjour à tous et bienvenue, c'est Julien, vous êtes bien sur Ça Tourne. Alors aujourd'hui, je roule un peu des mécaniques parce que je suis au salon de l'auto organisé à l'espace Car à Angoulême. Préparez-vous, on va en prendre plein les yeux, plein les oreilles. Il y a de superbes voitures. Accrochez vos ceintures, ça démarre tout de suite. Je vous souhaite la bienvenue pour ce salon de l'automobile Sport Collection Prestige qui en est à sa 4e édition. Ce salon est entièrement gratuit. Ça nous permet de recevoir un grand nombre de visiteurs qui pourront accéder à des véhicules exceptionnels. Nous avons des plateaux des 100 ans de Citroën, un plateau de l'âge exceptionnel, les 70 ans de Lotus. Les Lotus ont une tenue de route exemplaire et c'est des petites voitures légères qui donnent quand même une sensation au pas avec n'importe quelle autre marque. Par exemple, l'élan derrière moi, c'est un élan qui a 180 chevaux pour 650 kg. Donc, ça marche. Nous accueillons 150 véhicules en intérieur et pratiquement autant en extérieur sur deux jours. Je suis venu pour découvrir, parce que c'est la première fois que je viens, et puis voir ce qu'il y avait comme voiture, surtout voir les voitures anciennes, comme la Ford qu'il y a derrière, le prestige, le charme de la vieille voiture, profiter de voir des belles carrosseries, de la belle mécanique. Oui, ce salon est un salon magnifique qui représente toutes les possibilités qu'on peut trouver sur les véhicules de prestige, collection, sport. Le fait de monter dans une Ferrari comme la 488 Challenge qui est derrière, c'est excitant parce qu'il y a 670 chevaux sous la pédale accélérateur, la moindre petite pression ça fait un bruit des enfers. Mais c'est aussi un peu stressant parce que vraiment c'est pointu comme mécanique, faut pas faire n'importe quoi, mais c'est très excitant. Si on vient ici, effectivement, c'est pour le plaisir de la Foire Expo et aujourd'hui pour la sympathie des gens d'Angoulême. Parce qu'il y a un engouement sur la voiture de compétition et des gens qui aiment ce côté-là. Et ça fait nous faire vraiment plaisir du fond du cœur d'être parmi vous. Oui, ce salon est très convivial, une ambiance assez merveilleuse. Tout ça à l'aide des clubs de Charente qui nous permettent d'exposer des voitures de choix et renouveler tous les ans. Tout au long de ce salon, nous faisons gagner par tirage au sort des tours de voitures de prestige. Donc j'ai participé au concours sur YouTube, donc du Crédit Agricole, puis j'ai été sélectionné donc, pour faire un tour en voiture de prestige. Donc là, l'Alpine derrière moi, 110, donc 250 chevaux, 1100 kg, donc un rapport poids puissance énorme, et enfin collé au baquet tout le long, dès une accélération collé au baquet, c'était super, franchement, waouh quoi. Ouais, merci Crédit Agricole, c'était cool. Je reviendrai l'année prochaine, on va retenter sur YouTube, on sait pas, mais cette fois j'aurai mon permis. Je tiens à remercier bien sûr tous les partenaires, les collectivités locales, bien entendu, qui nous aident aussi. Un petit clin d'œil au Crédit Agricole qui nous aide cette année fortement. J'invite vraiment tout le monde à venir parce que c'est vraiment un salon qui est extraordinaire. C'est gratuit, c'est vraiment bien, il y a des belles voitures, on peut rencontrer des passionnés. C'est vraiment un très bon salon. Vraiment, venez, parce que ça vaut le coup. Cette journée se termine. J'espère que vous en avez pris plein les yeux et plein les oreilles. Rendez-vous en 2020 pour le prochain salon de l'auto de prestige à l'espace Cara. Pensez à vous abonner à la chaîne Ça Tourne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux si elle vous a plu. Et à bientôt sur Ça Tourne pour une nouvelle vidéo. Ciao !